we call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through. With my whole team, they coming too. That's real, too real. Motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. Salut à tous, c'est Philou, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première triple KM en éclair les gars. Donc c'est tout simplement la première triple KM française en éclair. C'est vrai que j'avais fait aussi la première triple KM française en domination. Et ce coup-ci c'est en éclair, donc ce n'est pas de l'hardcore. C'est pour ça que c'est sûrement mon meilleur gameplay, je sais. À chaque fois que je dis ça, c'est je fais toujours mieux. Mais bon là je pense que j'ai vraiment atteint le summum de la performance au niveau simple. Je veux dire par là, pas d'hardcore quoi. Parce que c'est vrai que faire une quad quand même en éclair, c'est strictement impossible, à part quand tu spawn trap, vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a maximum 10 minutes quand tes alliés ne jouent pas comme des gros porcs l'objectif. Et en domination, domination simple, c'est vrai que c'est un peu plus chaud, mais bon, il y a moyen, vu que tu peux faire durer la partie jusqu'à 17 minutes, les gars. Donc voilà. Pour ce qui est un peu du gameplay, on était en éclair dans Sovereign. On n'était pas full, c'est ça la particularité de ce gameplay. En général, tu vois, quand tu tente la triple KM, quand j'avais fait le first FR en domination, là, la triple KM dans Warhawk, j'avais demandé à mes alliés de jouer soutien et tout, tu vois, c'était vraiment le gros blocage de spawn de gros ports, alors que là, non, pas du tout, quoi. Au départ, vu que j'avais atteint, au passage, j'ai réussi mon défi, le défi de Tom qu'il m'avait lancé, c'était de faire 150 KM avant la fin de Ghost, je pense que je l'ai largement, largement fait, hein. Je suis à 167, je crois, 168, je sais pas. Donc voilà, j'ai réussi ton défi Tom, je suis assez content. Si t'en as d'autres, donne-les moi. Et voilà, donc pour vous dire, au départ j'étais parti pour faire une tentative double KM à la Vector, parce que je fais des double KM à toutes les armes, j'essaye en tout cas. Juste avant je crois, c'était hier, voilà, j'ai fait la double KM à la MTRX avec que 3 mecs, que 2 mecs avec moi, on était que 3 quoi, tu vois ce que je veux dire. J'ai fait aussi des KM Express en 105 secondes je crois. Et tout ça, je vous posterai. Bon, en l'occurrence, là, je vous poste ce gameplay-là avant parce que c'est vraiment le gameplay qui me paraît le plus important à poster, parce que c'est vrai que c'est la plus grosse perf que je pourrais faire. Et j'aurais attendu avant de vous la poster, mais vu que là, c'est la première en France, je vous la poste. Donc, c'est pas du spawn trap, les gars, faut pas croire. Donc, dans le titre, à mon avis, je mettrai entre parenthèses no spawn trap parce que ça porte à confusion. On pourrait se dire que c'est un putain de requin qui a fait la KM en genre Birdman en spawn trappant comme un porc quoi, alors que non, c'est ça qui est bien. Justement, voilà, vu que c'était à la Vector, la première KM je l'ai faite à la Vector, et je me suis dit, putain, t'as vu le temps mon gars, t'as largement le temps de faire plus qu'une double KM. Donc j'ai switché sur la Honey Badger, j'emmerde les gens qui ne veulent pas que je joue à la Honey Badger, je joue à ce que je veux. Bref, non je plaisante, mais bon, j'essaie de diversifier les armes au maximum, mais pour les performances comme ça, enfin, pas se compliquer la tâche encore plus quoi, déjà que c'est une performance assez dure, donc voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, au début je faisais du 4-4, 4-4, ouais, bah, en plus c'est vrai, hein, je faisais du 4-4, je me suis fait démonter au départ, après je me suis reconcentré un petit peu, et d'abord j'ai pété la KM, je crois, je sais pas si je vous mettrai des compteurs les gars, parce que c'est, j'ai pas l'habitude de faire des vrais montages, tu vois, avec le compteur, le chrono, des petits effets et tout. Donc voilà, j'ai pas tellement l'habitude, mais bon, peut-être que vu la performance que c'est, je vais essayer de m'appliquer un peu plus sur cette vidéo. Et peut-être, pourquoi pas, sur les prochaines, les gars. Donc voilà. Après, vous allez voir normalement que l'image est magnifique comparée à mes autres vidéos, si je me trompe pas. Parce que là, je me suis acheté un petit HDMI, un splitter HDMI, quoi. Et franchement, c'est une tuerie, ce truc-là, les gars, c'est... Tu peux rec en 1080p quoi, c'est ouf, la qualité elle est nickel sa mère. Mais bon, donc vous me direz peut-être ça dans les commentaires si vous y pensez. Et puis voilà les gars, donc pour ce qui est de ma classe, je vais vous dire juste les atouts de base, parce que les atouts spécialistes je change en fonction de toutes les classes, donc ça sert à rien que je vous les dise. Pour ceux qui voudraient essayer de reproduire ce genre de gameplay là, je vous conseille comme atout, charger à bloc et dès le départ, comme ça t'as pas besoin d'avoir de caisse de munitions, t'as pas besoin d'avoir pierre tout de suite, tu vois, t'es bien calé, t'es tranquille.
Après, moi je mets tracker parce que tracker c'est un truc de ouf. Hein. J'adore tracker, c'est un atout. Bah certes, ça te fait perdre du shoot, mais c'est un atout qui est indispensable pour moi parce que sinon je trouve pas que le gameplay est assez nerveux. Au passage, vous voyez que je perds un peu ma voix parce que ouais, je sais pas, j'avais une angine en fait. Toute la semaine, j'étais pas à l'école. Pour ça, je crois que j'ai fait 30, 35 km dans la semaine. J'ai geeké comme un gros porc. Mais bon, bref, bah non, les 2 premiers jours en fait, j'ai pas joué. Mais bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Après, pour ce qui est des atouts, comme d'hab, silence de mort et amplification, et après détermination pour les assistances et obtenir la KM le plus rapidement possible. C'est pour ça que détermination, les gars, c'est très important si vous voulez tenter des KM express. Parce qu'un kill, c'est vrai que ça peut jouer, mais quand ils rage quittent tous, tu vois, t'es à 24, ils rage quittent tous, tu vois, tu l'as fait en 70 secondes la KM, et voilà, tu l'as dans le cul, tu te dirais que si t'avais détermination, tu l'aurais fait, voilà, tu l'aurais déjà fait. Donc, si je peux vous donner un conseil, les gars. Franchement, mettez détermination parce que c'est un truc qui va vous sauver la vie, les gars. Vous êtes à une assist de votre KM, vous avez l'assist et là vous avez la KM sans faire de kill. Et franchement, c'est pas mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, bref, donc les gars, je vais également essayer de rentrer dans la rage parce que je pense que j'ai acquis assez d'expérience, j'ai assez de niveau entre guillemets, également assez de ratio de KM, etc. pour pouvoir prétendre rentrer dans la rage parce que voilà, c'est une team. Je veux pas dire que c'est la meilleure team française, quoi, tu vois, bon, entre guillemets, si, hein, parce que ça réunit les meilleurs joueurs avec la Reborn et tout, ça réunit les meilleurs joueurs français, mais voilà, ça peut faire évoluer ma communauté en même temps. Et j'ai joué avec Nakaze un petit peu, il a dit qu'il en parlerait dans la rage, il parlerait un tout petit peu de moi, et puis bah, peut-être que avec un peu de chance, je rentrerai. Et si je rentre, bah franchement, ce serait un super, super truc pour moi, ça ferait évoluer ma chaîne un petit peu, parce que c'est clair que, bah, regardez les gameplays que je propose en général, tu vois, c'est pas de la merde pour moi en tout cas. Donc c'est vrai que de me choper quoi, maximum 250 vues, 300 vues, tu vois, ça me fout un peu le seum quoi, tu vois, tu te dis, tu t'es fait chier à faire le plus beau gameplay possible et il y a quoi, il y a 300 personnes qui le regardent, dont 150 dans tes abonnés quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tout simplement les gars, vous pouvez voir que là. Deuxième KEM, je l'ai fait hyper rapidement, c'est un truc de dingue, je crois qu'il restait 45 secondes, j'ai fait 20 kills, c'est énorme quoi, tu vois. Après, si vous voyez, pendant la première manche, j'ai bien trouvé un bon petit spot, tu vois, en haut de l'escalier, tu pousses un tout petit peu, mais vu que c'est de l'éclair, ça change pas les spawns, c'est ça qui est parfait avec ce mode de jeu. Tu vas en haut de l'escalier et tu spots soit à droite, soit en bas des escaliers à gauche, il y a le spawn. Et t'as toujours des ennemis. Là, c'est une tuerie, ce putain de spot, les gars. Je vous le conseille. Et je pense que si on aurait été 6 et qu'il n'y aurait pas eu le random, par exemple, qui aurait fait des fois, à quelques moments, un peu n'importe quoi, tu vois. Je pense que j'aurais peut-être fait le plus 100 kills. Mais franchement, je me plains pas, quoi. Sans déconner, une triple KM en éclair. Ouais, je suis qui pour me plaindre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc, la troisième KM, c'est peut-être la plus importante. C'est peut-être la plus stressante aussi. Parce que c'est vrai que tu te dis. T'as quoi? T'as 4 minutes 50 environ? Tu te loupes là, c'est toute ta performance, c'est toute ta partie, c'est tout ce que t'as fait avant qui est mort quoi. Tu vois, je vous aurais pas posté la double KEM là si j'aurais pas fait la triple quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est hyper stressant, c'est pour ça que je me suis pas jeté honnêtement les gars. Vous pouvez voir à un moment je vide mon chargeur dans le vide, je tire partout, je m'en fous, je veux tuer quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est vraiment un truc de malade, tu stresses, t'as les mains qui tremblent, t'as. Et le pire c'est que bah. J'ai monté mon son à fond pour voir s'il y avait des mecs derrière moi. Et à chaque fois, je demandais, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des vestes? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des vestes? Mais le problème, c'est que j'avais le son tellement fort, le son du jeu, que j'entendais pas en fait s'il me répondait ou pas. Donc je me disais, je disais, amenez-moi des vestes là, si vous en avez les potes, s'il vous plaît, et tout, et tout, et tout. Tu vois, donc c'était. C'est assez compliqué, les gars. C'est assez galère, c'est pour ça que je vous conseille de jouer en spécialiste avec un ou deux mecs seulement en soutien. Avec vous parce que si vous êtes s'il y a du full support ça va rager sur YouTube hein, y a toujours des petits kikous qui bon je veux pas appeler kikous ça mais des petits rageux qui disent que c'est du full support et que c'est pas bien mais les gars voilà moi je joue qu'une semaine sur deux hein, si j'ai envie de jouer support je joue support et puis allez vous faire foutre c'est quoi bref voilà donc ce que je voulais aussi dire c'est que ouais j'ai fait une bonne partie au sniper les gars j'ai rentré une quinte feed et une triple feed dès le départ. Et franchement les gars j'étais en live avec Nakay, bah pas en live tu vois, on était sur Skype tranquille, j'enregistrais la conve. Et peut-être que je vous la mettrai, c'était sur Whiteout au Lynx. Le Lynx d'ailleurs, le sniper que je vous conseille le plus parce que
C'est vraiment une tuerie ce snipe, les gars. T'as pas de verrou, tu vois, c'est ça qui est bien, tu peux mitrailler. Alors... Et en plus, le viseur avec le truc thermique, il est plus sympa que le VKS et tout. Il est vraiment cool. Je vous le conseille, les gars. Et je pense que je vous proposerai ce petit live prochainement. Après, il y a aussi la Code Familia qui a parlé de moi dans une de leurs vidéos, là, le 65 de ratio, il me semble. Non, 67, oui, ils avaient fait 67 de ratio. Ils avaient dit, le petit youtubeur, il a réalisé 69 de ratio. Bon, dommage, il m'a pas cité, mais bon, ça, c'est pas grave. Les gars, sachez, si vous regardez cette vidéo, j'ai rebattu le record encore une fois. J'ai rebattu mon propre record. J'ai fait 77-1 avec une double KM que je vous proposerai prochainement, les gars. Et puis voilà, quoi. Sur ce, bah, le gameplay touche à sa fin. Je vais pas commenter trop longtemps parce que voilà, j'ai pas énormément de temps devant moi. Et puis, bah, si vous voulez voir le lobby avant que je trouve la partie, bah, je pense que je vous le mettrai. Et puis voilà, les gars. Donc, sur ce, je vous souhaite à... Bah, je vous le mettrai en non-rep, hein. Je vais oublier de préciser. Je vous le mettrai en non-rep dans la description. Comme ça, pour ceux qui veulent, bah voilà. Au passage, j'ai vraiment plus de voix, les gars. Je vais arrêter de vous commenter cette vidéo parce que je sens que je vais tousser et je vais niquer tout le commentaire. Donc sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.